Bichour. Bichour. Là, on est parti pour de nouvelles aventures. Là, on part tout juste de haut. Ah non, putain, en plus, la route, elle est barrée. Là. La route, elle est barrée, il faut qu'on fasse le tour. Mais là, on va travailler dans la maison. Qu'est-ce qu'on va faire, Tristan? Bon, alors déjà, on va faire un petit tour de la maison. T'inquiète. On va débarrasser tout ce qu'il y a dans le coffre. Ouais, parce que dans le coffre, il y a tout ça. Il y a un escabeau, il y a les outils que j'ai ramenés. On a ramené un aspiro aussi pour faire tout ce qui est bande de plâtre. Je crois que tu filmes... Non, t'inquiète, c'est toi que je filme. On va venir faire des... T'es en plein dedans. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? Tout va bien. On va venir faire des saignées, je disais, dans les murs pour faire passer les câbles, pour ensuite venir coller aux maps. On arrive bientôt à la maison et puis on vous remontre ça dès qu'on arrive. Let's go. Nous revoilà dans la maison. Tristan est parti garer la voiture. Il avait coulé du béton sur les évacs qu'on avait faites. Donc ça, c'était super bien. Mais sauf que dans la kitchenette, ici là, on a les évacs pour les toilettes, les futures toilettes. Et de l'autre côté, de ce côté là, on voulait mettre une évac d'eau pour sèche-linge, machine à laver, éventuellement un lavabo. Sauf que Tristan avait rebouché les trous. Donc là, on va faire une saignée déjà ici. Et comme ça, bah, ça va simplifier les choses. Et on va pouvoir faire ce qu'on avait prévu à la base. Et ensuite, dans cette chambre, là, sur tous les murs, il va falloir faire des saignées pour faire passer les câbles à l'intérieur du mur. Et après, replaquer par-dessus avec du placo. On va coller aux maps ici. On met pas de rail ni de montant parce que ça sert à rien. C'est une cloison intérieure. Donc on va pas se faire chier. Et puis après, rattraper toutes ces erreurs aux maps. Essayer de poncer tout ça. Cette semaine, on va faire des milliers grosses courses où je vais claquer un petit peu d'argent pour acheter la peinture, le parquet, etc. Parce qu'on s'est fixé un petit objectif. L'objectif, c'est que jeudi, là on est dimanche après-midi, c'est que jeudi, donc dans 4 jours, 4-5 jours, ouais, je laisse 4-5 jours, 4 jours et demi, on va dire 4 jours et demi, cette pièce soit totalement finie. À partir de là, tout est fini, les deux chambres, la salle de bain, le parquet, la peinture, l'électricité, les bandes de plâtre. Bah alors parquet peut-être pas. On verra, parquet si on arrive à l'acheter, on fait le parquet. Genre poncer, faire les bandes, peinture, c'est déjà... C'est ça. Gros chantier parce que t'as aussi le coffrage de la poutre à faire. On a aussi le coffrage de la poutre à faire. Ça, c'est dans l'optique, on aimerait bien faire ça aujourd'hui aussi. Ici, la poutre en haut, là, on va la coffrer et la cacher avec de la poutre, tout simplement. Donc, bah, c'est parti, sans plus attendre, on va commencer les petits travaux. Let's go. C'est part. On a un petit peu viré les trucs qu'il y avait dans la kitchenette pour pouvoir faire la tranchée du coup, parce que pour vous resituer ici, je dois tirer une tranchée parce qu'ici il va y avoir une machine à laver, un chauffe-eau, etc. Du coup il me faut des évacs et j'avais bétonné le tuyau avant de faire le branchement des évacs. Du coup on va venir faire une tranchée aujourd'hui, en gros de là jusqu'au mur. C'est sortir la gaine du va-et-vient de l'interrupteur. Il manquera plus la petite partie qui est juste ici, ainsi que de l'autre côté, de là à là. En même temps, Axel, il a commencé à creuser la tranchée. Malheureusement, le gros disque, bah, il a pas fonctionné, on sait pas trop pourquoi. Mais voilà, il a commencé à faire la petite tranchée, donc avec le burinard qu'on va rattraper dans le gâteau comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est assez dur et assez chiant. Fait deux petites rainures à la meuleuse et après avec le perfo il y a juste à taper dedans mais titre. Là par exemple faut que j'agrandisse un petit peu, là ici le tuyau il passe. Ouh. Allez c'est reparti. Bon moi je vais venir m'attaquer au coffrage. Commencer à faire le coffrage, petit schéma d'Axel, très bien fait, magnifique. Ici on a la poutre. Ici on a le plafond, j'accroche ça au plafond, ça c'est le rail qui va venir au mur, et entre les deux montant gros, t'as la poutre, un rail qui va venir sur le plafond, un rail qui va venir comme ça sur le mur, entre les deux montant et un rail qui va se clipser dans le montant, et après tu viens juste plaquer les deux côtés. Donc je vais commencer à installer tout ça. Axel a bien avancé dans la tranchée dans la kitchenette, c'est bien le bordel. Voilà où il en est, il a pratiquement terminé, mais là il va arrêter puisque c'est long et chiant. Il pourra juste agrandir un petit peu plus le trou et puis aller un petit peu plus loin, mais sinon c'est nickel. On va venir se mettre à deux
faire le coffrage de la poutre dans la partie gauche. J'ai déjà commencé, mais on va le faire à deux, ce sera plus simple. J'ai déjà mis un rail sur le mur et un rail au plafond. Et là, on va venir mettre des montants, les sertir et puis venir mettre un autre rail comme ça. Le deuxième rail qui va compléter le schéma, c'est complètement d'équerre, c'est parfait avec l'autre, c'est parfaitement droit, parfaitement niveau. Et du coup là on comprend un petit peu mieux le schéma, puisque là on va du coup plaquer ici, donc par le bas, hop, et ici ben, on va venir plaquer une petite bande comme ça. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cashier for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for, how you gonna move for, what you gonna do? Oh, ça fait longtemps qu'on est sur cette partie là. En fait, il y a pas mal de bien-être. On a fait deux fois les mauvaises mesures. En vrai, on a un to play to claim a brand new name. Oh, nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. Cette plaque est une galère, ça fait une demi-heure qu'on n'en sort pas. Cette plaque, c'est une galère, vivement la fin de ce de coffrage. Je suis pas sûr que ça nous encourage, la chanson. But what you gonna do for, how you gonna move for, what you gonna be? And do you believe we can do anything? Ah, y'en a marre, on fait que des conneries. Mais non, pas conneries. Pas conneries. Conneries, un ratera pas. C'est pas hyper propre, je vous montre après, mais c'est pas très propre. Mais au moins, on a fini le coffrage. Ça, c'est cool, on rattrapera ça. Avec des bandes. Donc, non. Ton petit bout. Non. Il est parfait, mon petit bout. Mais ton petit bout est bien. Celui-là, non. Bah, justement. C'est celui-là qu'il faut rattraper. Non. Je suis fatigué. Et ouais, faut dormir un peu plus au lieu de faire la fête. Non. Alors, je te dis, viens, on rentre. Oh non. Savoir que je suis rentré avec la voiture de Tristan hier soir. Sans Tristan. Et il s'est couché trop tôt. Oui, parce que tard, bon, tard c'est 23h30 minuit. Là il s'est couché. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Gêné, mon bijou. Non, je suis pas gêné. Du je suis gêné. Bien sûr, je suis gêné. Petite dinguerie, on va pas se faire chier. Quoi? Tu sais, j'ai ramené une ponceuse. T'as ramené une ponceuse? Qui on?
question. Regardez ce que ça donne, c'est pas terrible, hein. C'est pas tip top, on n'est pas sur une coupe parfaite. C'est vraiment pas ouf. Va falloir qu'on rattrape ça. Hein. Et là c'est propre, voilà, là c'est le coffrage est propre. Du coup il ne manque plus que cette petite bande juste là, qui est déjà coupée par mes propres soins, ici même, et qui passe parfaitement, comparé à ce petit bout de poster supportable. Mais du coup une fois qu'on aura mis ça, bah, le coffrage sera terminé et franchement ça c'est cool. Ça aura fait une bonne journée quand même. On vient de terminer. On a du coup fait tout le coffrage de la poutre, de là jusqu'à là-bas. Bon, il y a des endroits où il va falloir qu'on reprenne avec des bandes, etc. Au moins, on l'aura terminé de partout. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre la dernière porte. Après, bah, faire les bandes, etc. Donc ça, c'est chouette. Il est quand même 20h20. Donc, il commence à faire faim, il commence à faire fatigue. Surtout quand on a dormi que 5h. Écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos tulipes. Comme d'hab, connaissez. On se dit à demain pour de nouvelles aventures, de nouveaux travaux dans la maison. Je suis fatigué. Oh, t'es invirable. Allez, ciao. Salut. Allez, fatigué là.